Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CP Télévision. Des questions importantes retenant l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Écrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling, ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les partager, notre manière à nous de les exprimer. Je suis donc très heureux de vous retrouver en début de cette année. Vous le savez, la présentation des festivités, ou plutôt des vœux, ça peut prendre un mois. Donc laissez-moi vous réitérer mes vœux le meilleur pour l'année 2022 qui commence. Laissez-moi vous exprimer tout le vœu le meilleur. Bonne année à vous, année de prospérité, de longévité, de bonne santé, des réussites et des concrétisations des projets. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse énormément du bien et qu'il fasse luire sur vous sa face. Et que Dieu rencontre le besoin le plus profond de vos cœurs, les uns et les autres. Laissez-moi vous dire aussi merci. Nous sommes à plus de 171 000 abonnés maintenant. Nous savons qu'avec vous, avec votre soutien, avant même le milieu de cette année, l'objectif est donc que nous atteignions 100 000 abonnés. Je vous fais énormément confiance. Invitez vos proches, vos membres des familles à pouvoir s'abonner. Ça nous fera énormément plaisir. Laissez-moi dire grand merci aussi à notre partenaire de la boutique La Londoloise, avec la patronne Judith Londolet-Betoko, qui est d'ailleurs en séjour ici à Kinshasa. Cette chemise que j'ai mise, c'est notre partenaire de la boutique La Londoloise. La montre ou tout, si vous avez aimé, vous pouvez donc appeler la boutique La Londoloise. Elle se fera le réel plaisir d'honorer vos commandes et elle vous enverra. Elle va vous envoyer vos commandes. Avant de commencer cette émission, je voudrais saluer quelqu'un. Elle est gamine, moins de 10 ans. Immaculée Toussevo. La petite Immaculée Toussevo qui fête donc ce jour son anniversaire. Moi, il y a papa Nabiso Candy depuis la France. Immaculée Toussevo, bon anniversaire à toi. Je t'aime énormément, ma petite. Je prie que Dieu t'aide, qu'il te soutienne, que tu grandisses en sagesse et en intelligence et que tu impressionnes ta génération. Écoute papa, écoute maman, il t'aime aussi énormément. Il faut que tu t'adonnes à tes études. Tu deviendras quelqu'un dans la vie et tu reviendras dans ce pays qui a besoin de ses fils et de ses filles qui ont fait des bonnes études à l'étranger pour venir le relever. Nous t'aimons beaucoup, Immaculée Toussevo. Les amis, vous avez vu mon thème. Je suis venu pour qu'on parle un peu de cette série des bagarres et des images assez rocambolesques et scandaleuses qui circulent depuis un temps dans les réseaux sociaux où on voit les conseillers de son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en train de se donner des coups devant les caméras. Ça impressionne tellement le monde que je voudrais dire un ou deux, trois mots à l'intérieur de cette affaire. Mais vous connaissez le principe de l'émission. Le principe de l'émission, c'est que nous ne la commençons jamais sans réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les amis, c'est un engagement solennel que je prie devant vous. Cet engagement est celui d'apporter ma pierre de contribution à la résolution de cette crise qui a trop duré dans l'Est de la République. Ça fait quoi? Ça fait deux décennies que nous avons des problèmes dans l'Est de notre pays. Ça fait deux décennies que ça tire, que ça massacre, que ça viole dans l'Est de notre pays. Et moi, en tant que Congolais, aimant ce pays, je me suis dit que mon silence risquait d'être considéré comme un silence coupable, comme un silence des complices. On ne peut pas être fils de ce pays et voir la déliquescence dans laquelle est plongé le pays. La situation catastrophique dans laquelle nous vivons dans le pays est restée taise. J'ai donc décidé d'en appeler à la conscience de nous tous Congolais.
que vous soyez en France, que vous soyez en Belgique, que vous soyez aux États-Unis d'Amérique, que vous soyez en Australie, en Allemagne, en Angleterre, partout dans le monde, les amis, vous le savez très bien et vous me donnerez raison. Je sais et je peux le comprendre d'ailleurs que votre cœur bat pour votre pays. Chez nous, en Chiluba, on dit quoi benda kulu kwa muchi. Ça veut dire, on est mieux que chez soi. On ne peut pas être à l'aise tout en étant chez autrui. On peut bien avoir des véhicules, mais je sais que chaque matin, quand vous vous réveillez, vous êtes collé à comprendre et avoir les informations de ce pays. Et moi, j'avais dit que chacun de nous, dans ce qui les concerne, il peut réfléchir sur ce qu'il peut faire pour apporter sa pierre de contribution. Moi, je suis journaliste, je m'appelle Claude Pirouloara. Mon outil de travail, c'est mon micro, c'est ma caméra. Et je m'organise, je fais de mon mieux. Et j'ai dit, Perrault, mets en contribution tes outils de travail, ta caméra, ton micro, pour apporter ta voix à l'extinction de cet incendie de l'insécurité dans l'Est de la République. Donc ici, je l'ai fait, c'est une répétition, oui, mais ne vous fatiguez pas. Je l'ai fait d'abord comme un lanceur d'alerte, parce que je me dis, si une personne, si deux, si trois personnes, si quatre personnes peuvent entendre ma voix, j'aurai fait mon travail. J'aurai fait mon travail. Mon travail d'alerter l'opinion. Et je l'ai dit, les amis, partout où vous êtes, ça brûle chez nous, ça tue chez nous, ça massacre. Encore hier, on a encore tué les gens aux alentours des Béni, on parlait des quatre morts. Je crois que c'était à Matumbi. Je dois encore revoir mes... Je dois encore revoir mes notes, mais je crois que ça doit être à Matumbi ou Matumbi. Où quatre personnes ont encore été massacrées. Mais on va continuer comme ça jusqu'où, les amis? L'État sera démissionnaire jusqu'à quel niveau? Et ce matin, si vous avez suivi les médias nationaux et internationaux, on dit qu'il y a des troupes burundaises qui sont rentrées encore dans l'Est de la République démocratique du Congo, à partir de la province du Sud Kivu. On ne sait pas s'expliquer si ce sont des militaires burundais ou ce sont des miliciens burundais. On ne comprend plus rien, les amis. Et RFI a annoncé même ce matin qu'il y a eu échange de tirs entre un groupe rebelle burundais et les forces armées burundaises, mais dans la province du Sud Kivu. Ici, à Kinshasa, on est en train de nous distraire avec l'impiodi. Ici, à Kinshasa, on sent que on est en train de naviguer à tâtons, à vue. Alors que les vraies situations, la situation est assez volatile, assez instable dans notre pays. Moi, je veux jouer les lanceurs d'alerte pour vous dire, les amis, nous devons penser à notre pays, nous devons travailler pour notre pays. Ceux qui prient, allez prier. Ceux qui peuvent parler, parlez. Ceux qui peuvent écrire, écrivez. Ceux qui peuvent manifester, vous êtes en France ou je ne sais pas moi où, ailleurs, pour alerter l'opinion nationale et internationale, pour que le monde regarde chez nous afin que ces massacres s'arrêtent, je suis totalement d'accord avec vous. Et deuxième chose, je l'ai fait pour montrer à nos compatriotes que devant ce drame, ils ne sont pas seuls. Il y a des Congolais épris de paix qui les aiment, qui sont avec eux. Vous le savez, dans nos dictons, on dit nos compatriotes de l'Est, soyez courageux, ne perdez pas espoir, nous sommes de cœur avec vous. Ça va aller. Ce pays que nos ancêtres nous ont laissé, ce pays que Lumumba nous a laissé, on ne les laissera pas aller comme ça. On travaillera, on se battra pour que ce pays s'améliore, pour que le calme et la paix reviennent définitivement dans l'Est de notre pays. Et ça, c'est mon credo, et ça, c'est mon cheval de bataille. Au début de chacune de mes émissions, je réserve donc les premières minutes à cette situation-là. Et j'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table. Je vous dis toujours et encore, si on veut vraiment que la paix revienne dans l'Est de la République, le premier élément, les amis, nous devons nous organiser pour avoir une armée républicaine, dissuasive, une armée professionnelle, capable de nous protéger. Nous sommes un grand pays, 2 345 410 km² de superficie. Nous avons tous les métaux précieux que le monde recherche ici chez nous. On ne peut donc pas empêcher à l'humanité de convoiter ce qu'il y a chez nous. La convoitise du monde, oui, mais nous devons travailler nous-mêmes pour que nous ayons une armée capable de nous protéger et de nous mettre à l'abri de certains actes indignes de ceux qui convoitent chez nous. Deuxième chose, nous devons être capables d'identifier la menace, c'est-à-dire identifier ceux qui sont des tireurs de ficelles de cette situation, les traquer,
identifier, traquer et punir. Et voilà, ça se passera comme ça. Quelques deux, trois infos avant de commencer cette émission. La première, c'est que j'ai vu dans les réseaux sociaux, on a dit que notre ami Barnabé Milinganyo, que beaucoup connaissent sous les sobriquets de Aurélien Mbouma, serait sorti de la prison. Non, Barnabé Milinganyo, je l'ai encore eu avant de monter sur ce plateau pour vérifier l'information. Barnabé n'a pas été libéré. Contrairement à ce que les réseaux sociaux annoncent, où on dit que Barnabé a obtenu une grâce présidentielle, Barnabé est encore en prison. Mais il se peut qu'il soit parmi les bénéficiaires de cette grâce présidentielle, parce que j'ai vu que les réseaux se sont annoncés Barnabé Milinganyo, Jacques Ndala et Henri Maggi. Vous savez que la constitution de la République, les lois de la République, donnent au président de la République la possibilité, la latitude de pouvoir gracier, de pouvoir pardonner les fautes de certaines personnes condamnées. Et le président saisit des occasions, notamment le 30 juin ou même la fin de l'année, pour gracier des gens. Et le président va gracier certaines personnes. J'ai l'impression peut-être que Barnabé Milinganyo ou qu'Henri Maggi ou les autres vont se retrouver dans cette grâce. D'ailleurs, j'ai pris pour que Barnabé et les autres sortent. Parce qu'en réalité, les amis, je ne peux pas m'expliquer que des gens qui ont été condamnés pour des délits d'opinion. Barnabé a dit à Kolia Mbouma, je ne veux pas refaire son procès ici. Je ne veux pas dire il avait tort ou il avait raison. Jacques Ndala a dit, Tokendoti, que la Sogini Nanda Kunae. Harry Maggi a dit ce qu'il a dit. En fait, leurs infractions, c'est tout simplement lié à une sorte d'expression. Eux, ils sont en prison, ils ne bénéficient de rien. Alors que, curieusement, ceux qui ont été condamnés pour détournement des fonds, ceux qui sont épinglés pour détournement des fonds, certains sont à l'extérieur, d'autres qui étaient en prison sont à l'heure où nous parlons à l'extérieur. Je vais citer des cas. Monsieur Makabouza, directeur général de Sokok. Monsieur Benjamin Wenga, directeur général de l'OVD. Ils ont été condamnés chacun à 5 ans dans cette affaire de son jour. Mais ils sont aujourd'hui dehors à cause d'une grâce présidentielle. Ils n'ont même pas purgé la moitié ou le un tiers de leur peine. Comment on explique que Makabouza soit dehors alors qu'Henri Maggi ou Jacques Ndala se retrouvent en prison? Moi, je pense que si le président de la République, dans son intime conviction, décidait de gracier Henri Maggi, Barnabé Milinganyo ou encore notre ami Jacques Ndala, ça serait une bonne chose parce que je ne m'explique pas que ceux-là ne bénéficient pas de la grâce, alors que les condamnés pour détournement ont pu avoir une grâce présidentielle. Willy Bakonga est aujourd'hui à l'extérieur à cause d'une grâce présidentielle. Mais ce Tillmans qui était à Makala est parti. Il y en a comme ça. Monsieur Eteni Longondo qui a fait quelques jours à Makala, cité dans un rapport accablant par l'IGF, confirmé par la reddition des comptes et de la Cour des comptes, dans l'affaire des détournements des fonds Covid, tel que relayé par Monsieur l'IGF, il est encore innocent parce qu'il n'a pas encore été entendu, le verdict n'est pas encore tombé. Ici, j'en appelle donc au respect du principe de la présomption d'innocence des gens. Quelqu'un est coupable seulement lorsqu'un juge établit sa culpabilité et le condamne. Donc, Eteni Longondo, quoi que l'on dise, il est encore présumé innocent à l'heure où nous parlons. Mais il est quand même cité dans un rapport de l'IGF. Lui, il est allé à Makala quelques jours après, il est sorti. Donc, moi, vraiment, j'en appelle à son excellence, monsieur le président. Mais il y a aussi un autre problème. On remarque que les mesures de grâce présidentielle prises par son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, selon mes informations, prennent un peu plus de temps pour être exécutées. Le ministre de la Justice, soyez assez expéditif quand même. Si le président signe aujourd'hui une grâce présidentielle, prenez une semaine, deux semaines, libérez les gens. Parce qu'à l'époque de Kabila, ça se passait comme ça. On vous signe une grâce présidentielle, 3-4 jours après, vous êtes dehors. Mais ici, j'ai remarqué qu'il y a des grâces présidentielles que le président a signées pour le mois de juin. J'ai appelé la prison de Makala, mais les bénéficiaires sont sortis au mois de novembre. Non, quand le président, le,
le magistrat suprême, le premier de nous tous prend des décisions, il va falloir les respecter. Donc, Henri Maggi est encore en prison, Barnabé Milinganyo est encore en prison, et Jacques Ndala aussi est encore en prison. On va suivre, dans le cadre des dossiers des grâces présidentielles, si leur nom figure parmi les graciés, on verra ce qui va se passer. Autre chose, je confirme que M. Vital Kamerhe a bel et bien quitté le Congo. Le président de l'Union pour la nation congolaise, condamné dans l'affaire Sonjour pour détournement de 57 millions de dollars en première instance en 20 ans, condamné en deuxième instance au niveau de TGI 20 ans, au niveau de la cour d'appel à 13 ans. L'affaire est aujourd'hui devant la cour de cassation qui a décidé d'accorder une liberté provisoire à M. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a pris son avion hier aux alentours des 17 heures pour Chicago aux États-Unis d'Amérique. Il est donc parti avec son épouse, Mme Amida Chatur, et pour des soins de santé, ils sont partis avec un avion médicalisé. Son état de santé s'étant dégradé, Vital Kamerhe avait donc le droit de se faire soigner. Moi, je ne veux pas non plus revenir sur le procès de Kamerhe. Autant qu'au départ, j'ai pensé que c'était un procès, c'était du droit, autant qu'à un moment donné, je commençais à devenir dubitatif sur les intérêts et sur les intentions. Parce que je ne m'expliquais pas que Kamerhe soit condamné pour détournement, alors que ceux qui ont été condamnés dans la même affaire avec lui ont obtenu des grâces présidentielles. Qu'aujourd'hui, notre justice décide de lui accorder la liberté et de lui permettre d'aller se faire soigner. Moi, je suis heureux et je voudrais ici m'incliner devant cette justice-là, surtout et souhaiter une très bonne santé au président de l'UNC, M. Vital Kamerhe. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis, pour terminer complètement dans mes nouvelles, je voudrais ici, encore une fois de plus, en appeler au détenteur, ou plutôt au tenant de la thèse de Mpiodi. Moi, je n'ai pas vu ce Mpiodi-là dans les marchés de Kinshasa. Nous sommes en démocratie. S'il y en a qui ont dit comme Issa Koyer ici, qu'il a acheté des Mpiodi béton, moi, je n'ai pas vu ce Mpiodi-là. Je voudrais ici appeler le ministre de la Santé, de l'Économie, à publier les adresses. J'ai lu un communiqué où on dit à Bandal, chambre froide, mère Doublée. Mère Doublée est où? Quelle est l'adresse physique de mère Doublée? On doit nous dire que si tu veux avoir ce Mpiodi-là, il faut aller. Mais je me tiens ma position, les amis. Et je commence à craindre que cette affaire ressemble de plus en plus à une sorte d'arnaque et d'escroquerie de mauvais goût de fin d'année. Le ministre de l'économie, les amis, il nous a dit qu'il faut 6 millions de dollars. La République a sorti 6 millions de dollars américains. Nous avons laissé nos eaux les plus poissonneuses d'Afrique ici. On nous a dit de sortir 6 millions pour aller pêcher dans les zones abimbiennes. Et le quota était simple. On dit que les 6 millions vont nous rapporter 27 300 tonnes de poissons chinchards qu'on appelle ici Mpiodi. Mais le délai se terminait le 31 décembre. Que ce soit le ministre de l'économie, que ce soit le premier ministre Samalou Kondé qui est allé donner une caution à cette affaire, ils sont incapables de nous dire. Ils ont pêché combien de poissons? Combien de tonnes ont-elles été pêchées? Personne ne peut le dire. Mais ici, Mike Moukebaï, je vous annonce, m'a appelé aujourd'hui pour me dire, il a encore d'autres preuves accablantes pour confirmer ce qu'Eric Wemba disait sur mon plateau, que les rares Thompson qu'on est en train de présenter aux gens, dont on connaît où ça se trouve, où l'adresse, le gouvernement de la République aurait sorti 1 million de dollars américains. Ils ont acheté ce poisson ici chez un privé pour distraire l'opinion. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Eric Wemba qui l'a dit, c'est Mike Moukebaï qui révèle ça. 1 million de dollars américains auraient donc été sortis des trésors publics pour aller acheter ce poisson-là, et ils sont en train de distribuer en disant, voilà les poissons. Non, on ne gère pas une république sur base des mensonges, monsieur. Moi, j'attendais que M. Samalou Kondé adresse une demande d'explication à M. Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie. J'attendais que ce monsieur-là soit viré du gouvernement. Mais j'ai été surpris, scandalisé, de voir le premier ministre aller donner une caution à cette affaire en visitant certaines chambres froides
Oh, le gars, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens. Et j'ai donc été déçu, j'ai dit, mais Samalou Kondé vient de donner une caution à quelque chose qui ne paraît pas clair, les amis. Où sont les 6 millions de dollars américains? Combien ont été sortis? 6 millions, selon les informations, oui. Est-ce que dans les 6 millions, l'objectif était de pêcher 27 300 tonnes? Vous avez pêché 27 300 tonnes, monsieur? Oui, montrez-nous les 27 000 tonnes. Si c'est moins, vous avez... Parce que le délai se terminait le 31 décembre aussi. Au lieu de tirer les responsabilités, de punir les responsables de ce montage mal structuré, mal organisé à mon point de vue, Eric Wemba s'est plaint ici, Mike Mukeba il s'est plaint aussi, et ils annoncent que le gouvernement a encore sorti 1 million de dollars américains du trésor public pour acheter ce poisson-là à des privés et distraire les gens. Si la gestion de la République se fait désormais sur des camouflages et des opérations de saupoudrage, ma République à moi ne doit pas être considérée comme ça. Ma République à moi, elle est totalement différente. Ma République à moi ne peut pas être basée sur des mensonges et sur des raccordements frauduleux. Voilà deux, trois petites choses que j'avais à dire avant d'en parler. Les amis, je voudrais quand même qu'on réfléchisse un peu sur ces nombreuses bagarres des conseillers de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ça a commencé à gauche, ça a commencé à droite, on dort, on se réveille, Oya Betaki, Oya Bundaki, et ça désacralise un peu l'État. Mais avant d'en parler, laissez-moi vous proposer d'abord ces deux images des deux derniers rings auxquels on a assisté. Monsieur Vidé Chimanga, conseiller spécial du Président de la République, et Monsieur Eboma, en pleine altercation dans certains endroits. Suivez d'abord ces images-là et retrouvons-nous après pour parler en profondeur. Attention, monsieur, attention. Non, 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 tu non, non, c'est pas normal. Bonjour, monsieur. Attention, monsieur, attention. Attention, je vous dis. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur Lavet. Oui. Ce n'est pas normal. Je suis le CP. Ce n'est pas normal. Non, non. Je suis le CP. Non, ce n'est pas normal. Attention. Dis, non, il s'amuse avec moi. S'il vous plaît. Moi, j'ai risqué ma vie à l'UDPS. Hein. S'il vous plaît. J'étais le conseiller juridique des Tien Tshisekedi. J'ai fait 10 ans. 10 ans conseiller juridique. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est fini. Vous jouez avec moi. C'est fini. Allons-y. Il faut raconter. Attention, monsieur, attention. On perd le temps. Je vous dis attention. On perd le temps. Attention, Bingaté. Attention, Bingaté. Attention. C'est comme ça. Si c'est un homme qui vous dit attention. S'il vous plaît. Non, mais à un niveau aussi, mais un tout. Je mets à l'icône. 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 C'est Rémi. Rémi, c'est mon ami. Non, il n'est pas votre ami. Parce que vous, c'est un guide de la paix. Attention, ce monsieur-là. Non. Mais toi aussi, c'est quoi? Non. Il ne peut pas. Allons-y, on peut pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, moi, je veux que c'est de vous. Vous me connaissez. Allons-y. Oui, bien. Tant que nous avons aucun député à Kaw.
Attention, toi. Là, tu me connais? Secteur Yamaï, électricité, mine, la présidence. C'est moi qui suis arrivé ici le premier. Ah. Et vous racontez des bêtises. Attention, monsieur, attention. Non, c'est pas normal. Attention, monsieur, je vous dis. S'il vous plaît, monsieur. C'est pas normal. Monsieur Lavet. Oui. C'est pas normal. Je suis le CP. Je dis, ce n'est pas normal. Je suis le CP. Non, ce n'est pas normal. Merci beaucoup à notre ami Merveille qui est donc de l'autre côté de la régie. Les amis, vous avez vu de vous-même les images. D'un côté, on voit M. Villiers Chimanga qui est conseiller spécial, je crois, du président de la République. Et de l'autre, on voit un monsieur qu'on dit être monsieur Ebouma. Lui aussi, il est conseiller principal. En train de... Voilà. Je voudrais lancer un appel pathétique, la main sur le cœur, à son excellence, monsieur le président de la République. Excellence, monsieur le président de la République. Faites-nous plaisir, excellence. Balayez votre cabinet, monsieur le président. Les Congolais n'attendent que ça, excellence, monsieur le président de la République. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se racontent autour. Moi, j'ai vu quelqu'un qui dit, oh non, on parle beaucoup de la diaspora qui accompagne son excellence, monsieur le président de la République. Vous êtes tout simplement des jaloux, tout ça. Ce n'est pas nous qui avons demandé à vos parents de ne pas avoir l'argent pour vous envoyer là en Europe. Nous n'avons aucun problème contre nos compatriotes de la diaspora. D'ailleurs, regardez les statistiques. Les colonies congolaises, les familles congolaises vivent à cause de nos amis, nos frères et sœurs de la diaspora. Mais la représentativité de la diaspora qu'on nous a ramenée ici, les amis, nous pose problème. Et nous ne parlons pas en l'air. C'est sous cette diaspora-là qu'on a vu des scandales, de choses qui ne peuvent pas exister. Excellence, monsieur le président de la République, nous demandons des sanctions contre les gens identifiés dans ces vidéos. La République est sacrée. Le président de la République est la première institution du pays. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en lui seul, représente une institution. C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui représente notre pays. Quand il prend certains de nos compatriotes pour l'accompagner dans son travail, ces gens-là doivent comprendre que le devenir, l'avenir de ce pays dépend du président Félix Antoine Tshisekedi. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas? Des scandales comme ça, des gens en train de se battre. Vous avez désacralisé l'État, messieurs les conseillers. Vous avez déshabillé l'État. L'État a perdu de ses lettres de noblesse. Vous avez pris l'État, vous l'avez amené voter dans la boue. À cause de vous, l'image de la présidence de la République est jetée en pâture. À cause de vous. L'image de notre président de la République est jetée en pâture. Monsieur le président, vivement des sanctions. Monsieur le président, je vous en prie. Les Congolais attendent que vous changiez votre cabinet. Et ça fait 3 ans que ça dure. Ça fait 3 ans que les gens sont en train de crier. Vous savez, un jour, j'ai vu le cacique qui est autour de Kabila en train de se plaindre. Olive Lembe Kabila, ex-première dame, ex-distinguée première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, je crois que c'était pendant l'élection ou quelque chose comme ça. Les gens sont venus devant chez elle
Elle a reçu ces gens-là, je crois. Elle était en train de prier. Je crois qu'elle a pris un balai. Elle a prié. Elle dit, Zambé, comme l'entourage à papa. Comme ça avait fait beaucoup de bruit. Les caciques ont dit, oh non, non. Mais aujourd'hui, on comprend. Et le président de la République, de l'époque, Kabila lui-même avait dit, je n'ai pas 15 personnes avec moi. La preuve est là. Regardez les départs, les trahisons qu'il y a autour de lui. Excellence, monsieur le président, ceux qui vous accompagnent là, quand il y aura un problème, ils vont monter dans le premier avion, rentrer là-bas. Vous serez seul devant ce peuple, devant votre conscience, devant Dieu, devant la mémoire de votre papa. Ceux-là qui sont là-bas, qui mettent aujourd'hui la République tout entière mal à l'aise, ils monteront dans les premiers avions et s'ils partiront. Beaucoup ont déjà acheté des appartements à Porto Bakéi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 ké
Tolembi bango, tolembi. Balek ici. Tolembi bango, papa. Mukozamboka, tolembi bango. Tolembi bango. Hippolyte Kanambe était ici, Hippolyte Kanambe. On ne voyait pas les véhicules de la présidence dans ma ville, dans ma mine. Moutouka, président, c'est comme ça l'auto-école. Et pourtant, c'est lui là où lui a jeté des pierres. On a dit de lui qu'il était Hippolyte Kanambe. On a dit que son papa n'était pas son papa. On a dit qu'il était rwandais. C'est comme ça qu'on commence à le pleurer. Kabila Zonga. Batouba, comment le bas Zonga. Moi, je ne le justifie pas, je suis en train de relayer les choses ici. Les gens commencent à dire pardon. Kabila a la chance de sa vie. La chance de sa vie, c'est que le démon d'hier a aujourd'hui la possibilité d'être comparé avec la gestion de l'UDPS. Et quand on fait la comparaison, les amis, yo, au monde, conseiller à Kabila Zobunda. Tout. Papa, tout ça la courante. Tozan la maïté. Tozan la zélaté. Nzala na soukamboula yango. Nzala les gens n'ont pas mangé. Bino liébo fan d'abord que nous salons notre technique. Bon souma mokonza mboka. Non. Vous voulez vous mettre en vedette. Babunda. Oh là là. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour vivre des choses comme ça? Ce pays n'a pas de chance ou quoi? Toutes les églises qu'on a ici. Nous avons des Congolais valeureux na Potoana. Si le président de la République estime qu'il veut aller recruter là-bas, c'est son choix. On ne peut pas imposer au chef ses choix. Mais des Congolais qui ont fait de bonnes études, des Congolais qui ont une bonne moralité, qui ont travaillé dans des grandes entreprises Napoto, Bazali. 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 Ceux qui ont le respect de la chose publique. Ceux qui respectent leur statut. Ceux qui ont le respect du sacré. Bazali. Que le président aille chercher là-bas à Zouabango. Bah, comment est-ce que tu as un bavard, tu as un louvain, tu as un bazali, belé kouna. Bazali. Mais autant que mon an a bamikiliste au Bayawa, bamikiliste, autant que mon an. Ma mon an boit ma fouille la koundoundou. Bah, comment est-ce que tu as un bon super, yangan a un loba. Na bondeli mokonza mboka, pardon papa mokonza mboka. Des gens qui se mettent en spectacle, des gens qui désacralisent l'État, des gens qui déshabillent l'État, des gens qui amènent l'État dans la boue, ne méritent plus la considération de l'État. J'attends que le président de la République sanctionne, j'attends que le président de la République passe un coup de balai dans son cabinet. Trop, c'est trop. Tolembibino, bolekisi. Et vous avez même amené notre président à dire, à donner raison à Kabila. Quand Kabila disait qu'il n'a pas 15 conseillers, Kabila Fanda là-haut.